Dans le reste de l'actualité, dans le Loiret, 3000 teufeurs se sont donné rendez-vous dès vendredi soir à Dordives dans une usine désaffectée. Tout s'est terminé dans l'après-midi. Aujourd'hui, s'il s'agissait bien d'une occupation illégale d'un site, tout s'est passé sans encombre avec une organisation bien huilée sur place. Lila Faf, Yves Leblanc. Fête de 48 heures dans un hangar désaffecté, transformé en boîte de nuit géante. Trois scènes, trois murs de son, trois ambiances. Les gros moyens sont de sortie, et pour les organisateurs, la fête semble réussie.